Salut tout le monde, c'est Ben, on se retrouve aujourd'hui sur Killzone Mercenary, en partie, hors défi entre mercenaires, voilà, ça faisait longtemps, et voilà, on se retrouve pour une petite zone de guerre. Alors on est en train de mettre une raclée à du monde, donc excusez-moi, putain, alors attention, ça canarde, alors on va essayer de lui faire un petit dodo, tiens, fais dodo mon ami, voilà, donc j'ai essayé de rejoindre d'autres parties qui n'étaient pas quasiment terminées, mais malheureusement j'en ai pas trouvé, voilà, donc ça va être une petite partie, peut-être en bonus de fin, ou je ne sais pas quoi, on verra, enfin en même temps une zone de guerre c'est long. Donc faire deux modes de jeu, ouais ça peut être bon. Allez, on va essayer de faire dodo en fait tout simplement nos adversaires. Regardez-moi ça, hop. Hop là, magnifique. Oh là, attention, il a mis une mine. Ou pas. Bon allez, je vais lui faire sauter la tête à lui pour changer. Boum. Oh bah tiens, j'ai bien fait parce qu'il y a quelqu'un qui me volait. Juste là, notre ami Rocky. Voilà, bah écoutez, content de vous retrouver pour une vidéo sur Mercenary, hors défi entre mercenaires, voilà, parce que ça faisait longtemps, une petite vidéo sans prise de tête, voilà, sans objectif particulier, si ce n'est de se marrer, voilà. Puis aujourd'hui, je vais sortir le tranquillisant. Je crois que vous ne m'avez encore jamais vu jouer au tranquillisant en vidéo, si je ne dis pas de bêtises. Alors là, normalement, il devrait y avoir un adversaire pas loin. Mais donc, c'est une branlée cosmique. 60 à 3. Ah, c'est ridicule. Oh là, bon allez, moi je suis le monsieur qui fait tout en retard, donc là, voilà, je vais capturer une capsule alors que le mode est terminé. Alors, j'ai une carapace, bah écoutez, carapace plus M42, on est bien. Bon, tétraplégique de personnage pouvait courir, ce serait bien. Hop, boum, la double ou pas? Ah dommage, ça n'a pas fait une transpercer l'adversaire pour buter le deuxième, voilà, écoutez, bon, kill facile à faire, mais écoutez, j'ai eu le mérite de le faire. Alors attention, ah il était derrière, je pensais que c'était un coéquipier, ben ça devait être Rocky en fait qui était juste à côté, et comme un con on n'a pas vu l'adversaire qui arrivait derrière. Écoutez, c'est mal joué, mais bon c'est pas grave. Allez hop, on réutilise un autre Vanguard, cette fois-ci c'est le Ghost qui est excellent. Ah personne, si, oh bah tiens, petit campouse, regardez-moi ça. Alors on va lui faire un suicide celui-là, tiens, suicide-toi mon ami, regardez, hop là, la chute, voilà. Comment faire rager un camp? Oh, oh, il a volé. Il a volé, voilà. Je marre bien avec le tranquillisant, là. Je suis tranquillisation, on pourrait dire. Alors, ah tiens. Fuck. Allez, vas-y, monte ta tête. Tiens, mon ami. Allez, hop, un petit interrogatoire pour te faire un petit peu rager, mon gars. Ah ah ah. Écoutez, c'est bien sympa de jouer au tranquillisant en ce moment. Je m'amuse beaucoup à ça avec mon ami Loïc, enfin Foudéic pour ceux qui ne connaissent pas. Alors là, il y en a qui capture une capsule. Donc, ah, mais attention, attendez. Ah, j'ai été mauvais. J'aurais dû mettre le zoom. Putain, si j'arrive encore à le tranquilliser, ce serait énorme. Le pauvre. Allez, hop, allez, je suis gentil, je t'interroge pas, mon gars. Ah, et peut-être un quickscope. J'ai raté. Oh là, lance-roquette, attention. Il est où? Là-bas, il y en a un, je crois. Oh oui, le quickscope qui est passé, au M42. C'est Noël. Parce que là, je trouve que ça vaut pas trop la peine de mettre ça en bonus de fin, parce que c'est une excellente partie, en fait, tout simplement. Donc, ouais, ce serait dommage de le mettre en bonus de fin. Alors. Ah merde, dommage, on me l'a volé. Ah, j'ai même pas l'assistance. C'est moi qui l'ai tranquillisé, je n'ai même pas l'assistance. Étrange. Et ben voilà, une victoire facile. On va regarder mon score, histoire 2, même si ça sert un petit peu à rien. Parce que là, c'était quand même une raclée, genre qu'on peut le dire. Une raclée, ouais, d'accord. Rage kit massif en face, 8-3, c'était bien marrant. Écoutez, comme. Bon, je sais pas, est-ce que je vous propose une zone de guerre en entier? Ça risque de faire un petit peu long. J'hésite. Oh, allez, écoutez, je vais vous proposer une guérilla. Puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez que je vous fasse une zone de guerre la prochaine fois. Voilà, comme ça, je vous propose un petit peu de zone de guerre et un petit peu de guérilla. Eh bien écoutez, finalement j'ai changé d'avis, on va se retrouver pour une zone de guerre. Alors, ah bah tiens, je crois que c'est la même parce qu'il y a le Roxy. Oh là là, merde, je crois que je suis dans la même partie, mais enfin dans la suite, mais dans l'équipe en face, donc dans l'équipe nulle, je crois. En tout cas, il me semble qu'il y avait un Roxy dans notre équipe. Bon, bah écoutez, voilà, je vous avais dit qu'on se retrouvait pour une guérilla, puis finalement on se retrouve sur une zone de guerre. Écoutez, seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Alors ce qui est bizarre, c'est que je suis un imbécile, mais j'ai changé d'avis. C'est étrange. écoutez, on va se faire ma petite technique. Comment jouer comme une pupute? Écoutez, ça fait longtemps. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été légèrement patché depuis. C'est assez. Voilà, regardez, il y a une barrière invisible en fait en face. Allez. Voilà. Il y a une petite barrière invisible en face qui a été rajoutée. Donc ça rend le bug assez compliqué à faire. Mais. Enfin, c'est pas un bug. Où sont-ils? Tiens, dans ta tronche. Magnifique. Ah, dommage, pas headshot. Voilà, ça c'est comment jouer comme une bonne grosse catin. Voilà, tiens. Alors je l'ai blessé ou pas.
Voilà. Et donc, j'en aurais mis des marqueurs là, au M42, ce qui est assez rare pourtant. Hop, je vais quand même essayer d'aller récupérer les cartes de Bravo, parce que si je fais des kills et que je récupère pas les cartes, ça ne sert à rien. Voilà, encore un Q-scope. En même temps, en campant, c'est pas très dur. En campant comme Bernard, bien sûr. Bernard campant des inconnus et merde. Je pense qu'il y a la place. Alors, à mon avis, il y a des mines. Ouais. Oh, bah tiens, il m'a pas vu ce con. Il ne m'a pas vu, alors. Bah tiens, je vais t'interroger, toi. T'es un peu con, hein? T'es un peu con. Mais oui, t'es un peu con. Mais oui, t'es un peu con. Voilà, je le prends bien pour un chien, le pauvre gars. Voilà, interrogatoire à travers le mur. Voilà, pour changer. Voilà, un bug assez classique. Il y en a un autre qui est ici. Ou en dessous. Hop. Il est là. Alors, il est où? Ah, d'accord. Alors, d'accord, il recule complètement. Je sais pas trop ce qu'il fait. Il est con aussi, lui, non? Allez, hop, tiens, crève. Voilà. Et je vais contourner par là. Regardez, hop, regardez comme c'est bien joué. Et tiens, ah là là, ils sont pas malins. Hein. Ils ne sont pas malins du tout. Allez, encore un interrogatoire. Écoutez, je sais qu'on n'est pas en mode interrogatoire, mais bon, écoutez, c'est pas grave. Voilà, après l'interrogatoire à travers le mur, c'est l'interrogatoire à travers la rambarde. J'ai un talent fou pour faire des trickshots foireux en fait. Joueur, on va essayer de continuer avec cette arme de merde en quelque sorte. Alors, hop, Volteur. Voilà, le Volteur qui a duré 2 secondes. C'est ma petite spécialité ça. Au M42, je détruis des Volteurs au bout de quelques secondes systématiquement. Bouge. Voilà. C'est très simple, hein. C'est vraiment comment jouer comme une pupute, mais moi ça me fait marrer. Puis écoutez, j'ai tellement perdu la foi en la communauté depuis tellement longtemps que je n'ai vraiment aucun scrupule à jouer comme ça. Parce que la seule raison qui fait que les gens ne jouent pas comme ça, c'est juste qu'ils connaissent pas comment y aller, mais sinon tout le monde irait. Pour les autres, ça va être assez compliqué. Allez, on y va, on rush. Enfin, on rush, on peut pas vraiment rusher vu qu'on a le ghost. Mais écoutez, c'est mieux que rien. J'ai l'impression malheureusement qu'il y a plein de monde qui a quitté. Ce serait un peu dommage. En même temps, vu comment je joue, c'est possible. C'est possible. Alors j'ai un menti, je ne vais pas l'utiliser, je vais essayer de jouer les objectifs. Quand même. Ah, il y en a un là. Il m'a semblé voir du rouge. Autant pour moi. Hop, allez. Je vais faire l'interrogatoire. Ah d'accord. La capsule, je voulais dire sur le toit de la capsule, mais j'ai pas réussi. Voilà, je fais la petite capture. Ouais, je crois qu'ils ont rage quit. Hein. Ah bah il y en a encore un. Et en face, il rage quit le gars. Bon, en tout cas, je suis en train de vous récolter. Alors, plein de points. Avec les captures de capsules. En plus, j'ai un coéquipier qui campe en haut, donc il va me couvrir super bien. Ah bah tiens, encore un extra GMR. Allez hop, on le met n'importe où. Voilà, bien en évidence au premier milieu de la map, c'est pas grave. Bon bah écoutez, c'est une partie encore très très simple. Ah, il y en a un qui rejoint, donc peut-être une lueur d'espoir pour. Oh putain. Tiens. Voilà, merci. Le pauvre gars. Ah, peut-être que c'est le pauvre gars qui a rejoint. Je crois que je l'ai spawn kill. Ah, désolé mon gars. Ouais, j'ai pas fait gaffe. Bon, de toute façon, je crois qu'il est en train de switcher, donc je pense qu'il allait prendre une mine. Ah, bah tiens, il m'a pas vu. Putain, ils sont vraiment pas mal, hein. C'est vraiment incroyable. Ah, merde, il est mort. Bon, bah, interrogatoire. Alors, moi, je vais interroger comme ça. Voilà, avec le Sky Fufu. Écoutez. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Oh, d'accord. Ça bug content. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Magnifique. Atomisé. Atomisirt. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Mais oh, ta 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 ta! Allez, allez, c'est bon, celui-là il est bon. Voilà, atomisé, magnifique. Allez, hop, toi, je vais te fumer. Et ils sont pas très malins, en même temps, ils vont en plein milieu de la map. Hein, alors que j'ai le Sky Fury. Ils sont pas malins. Pouah, c'est un massacre. C'est un massacre. Alors, je l'ai repéré, il est juste en bas là. Hop, regardez, ils sont là. J'ai bien fait d'utiliser mon Sky Fury comme un Volteur sur le coup. Oh merde. Allez. Non, laisse-le-moi. Laisse-le-moi. Alors, qui va le prendre en premier? C'est moi. Hop. Et alors, en plus, mon coéquipier m'a super bien couvert. Il a bien joué. Regardez. Hop. Across the stair. Magnifique. Magnifique. Tranquillisa Fao. Alors, il va me le voler. Regardez-moi ce bâtard. Regardez-moi ce bâtard. Est-ce que je le vole? Allez, je suis fair play. Je suis fair play, je joue pour l'équipe. Bah, pourtant il me le vole. Oh là, le petit quick swap, il est très mauvais celui-là, très très mauvais. Écoutez, vu qu'à 36 à 8, moi je vais me foutre dans l'endroit de camp comme une pupute. Et puis oh putain. Et puis je vais jouer voilà, en campant. Il y a plein de monde qui rejoint, je vais pouvoir montrer mes talents de campouse de la merde à tout le monde. C'est magnifique. Allez hop. Ah, mon campousomètre s'est activé. Je vois un individu
Voilà, ici. Oh là là, c'est énorme. Mais cette technique, honnêtement, c'est le best spot de n'importe quel FPS, je crois. J'ai jamais vu un meilleur spot, quoi. C'est vraiment, mais ultra cheat, quoi. Vraiment. Alors, il s'est fait sauter à sa mine. Ah non. Ah, il y en a un là-bas. Regardez, merde. On a vraiment une vue sur imprenable sur plein d'endroits. Alors, putain, qu'est-ce qui... Ah merde, il se fout. Oh là, il se TP en plus. Voilà, magnifique. On peut même se mettre à couvert, voilà, si jamais il y en a qui montent, on peut se mettre à couvert ici. Le seul endroit où on est vraiment bien prenable, c'est cet escalier. Si j'étais vraiment une bonne grosse tepue, je pourrais utiliser, enfin, les mines. Je ne le fais pas, voilà, au moins je suis à moitié dégueulasse. Voilà, j'aurais pu être entièrement dégueulasse, écoutez. Switch. Non mais, ça bug là. Je l'ai tranquillisé, il était juste en face, j'ai pas pu le rater quand même. Ah, c'est n'importe quoi. Écoutez, qu'est-ce que c'est la morale de l'histoire là? C'est-à-dire que quand je campe, je fais des kills, et quand je joue normalement, je ne fais pas de kills. Utiliser le ghost. Allez hop. Voilà, ça c'est une très bonne technique. Utiliser le ghost quand on capture les capsules. Regarde, oh en plus il y en a une juste là. Donc s'il y a personne au spawn. Et merde. Alors regardez, on va le faire rager celui-là. Fallait regarder. Alors non, pas interroger, capturer la capsule. Putain, merde, je suis obligé de le buter. Oh, le bug. Eh, oh, bute-le! Mais putain, qu'est-ce que c'est que ce bugué? Putain, je lui tire une balle à bout portant, il meurt pas, j'appuie sur interroger, il se passe rien, ça bug. Bah, il a quitté. T'aurais pas pu quitter avant? Bah, déjà, quand je lui ai mis un tranquillisant à bout portant, déjà, il aurait déjà dû quitter, je pense. Oui! Comment sauver une capture, une capsule, magnifique. Allez hop, c'est à moi de jouer. Je fais n'importe quoi. Oh, d'accord, je l'ai fait complètement au hasard et c'est passé. J'ai souvent tendance à paniquer quand je viens juste de tuer quelqu'un sur une capsule. Oh merde. Tiens, voilà, j'ai encore tranquillisé et m'a buté. Regardez, on l'entend même. On l'entend même gueuler. Je suis sûr, avec un petit, voilà, assistance parce que je l'ai blessé mais il m'a buté pendant qu'il était blessé. Ça bug pas mal quand même ce jeu, hein. Bon écoutez, je vais capturer cette petite capsule. Hop, hop, et magnifique. Oh, oh, oh! Ah d'accord, bug du tactile. Et merde. D'accord, putain, c'était long. C'était très très long. Mantis angine. Bah écoutez, Mantis angine, il s'est pas couvert la gorge, donc il a une angine, donc c'est le Mantis angine. Voilà, ça c'est la blague que je ferai quasiment à chaque fois. Et bah écoutez, on va essayer de clore cette vidéo, enfin de clore ou de brome, ou n'importe quel élément chimique, l'iode, peu importe. Oh là, une blague de chimiste absolument minable. Ah, je te sauve, mon coéquipier! Je t'ai sauvé, ou alors peut-être que je te l'ai volé, je ne sais pas, et je m'en fous. Tiens, salut toi, avec ton petit lance-roquette. Ah non, c'était un M42. Excusez-moi. Écoutez, c'est un massacre. C'est un massacre tant au niveau des points qu'au niveau des kills. C'est une leçon de comment jouer comme une petite catin que je vous propose là. Avec du mantis aussi. Bon, en même temps, je l'ai capturé, donc tiens, toi, t'as tué mon copain. Eh ben, écoute, je te bute. Alors, j'en ai vu un ici. D'accord, les gens ont bugué. Il me semble que j'en ai vu un à l'étage. Ou pas. Je suis sûr qu'il va y en avoir un qui va monter ici. Bah tiens, bingo! Apprends à viser mon gars. En plus, il a le VC8, c'est quand même assez facile de buter un mantis avec le VC8. Une ou deux balles et c'est réglé. Bon, écoutez, j'ai quasiment plus d'énergie de mantis. Ah bah tiens, le petit campus est la merde. Voilà. Si tu veux apprendre à camper, bah appelle-moi. Puis écoute, je te donnerai des petites leçons comment jouer comme une petite catin. Avec plaisir d'ailleurs. Alors toi, tiens. Et tiens. Putain, prends. Et pourquoi ils prennent pas leurs balles quand ils sont blessés? Espèce d'enfoiré, tu m'insultes d'enfoiré toi? Tiens, headshot, magnifique. Et écoutez, je suis précis au M2 là. Précis, très très précis. Allez, hop, le Skyfufu. Histoire de faire un tatata kill. Tatata. Ah, mais il est mort. Tiens, je crois que j'ai vu Carlas99. Je crois. En tout cas, c'est un ami, donc bienvenue à toi. Et comme dirait la pub, Cargas. Oula, Carlas répare, Carglass remplace. Voilà, je m'en souviens plus. Voilà une petite blague d'Anthony, de Loïc, enfin Full des Geeks et XX Gunflash qui m'avait bien fait rire cette blague. Ils l'ont trouvé tous les deux de leur côté, c'était assez rigolo. Oh oui, oh, dommage, j'ai oublié de faire le tatata. Ah, le tatata kill, bien sûr. Alors vite, non, vite recharge et oula. Oh, je suis mauvais. Oh là là, ridicule! J'ai été malheur à chier! Écoutez, pour la fin de la partie, je vous propose, comme là je suis plus très bon au snipe, de tester le M2241, autrement dit arme de viol. Tant mieux. Hop, allez, allez, on balance des grenades, allez, c'est Noël, regardez, cadeau, magnifique. Allez, regardez, prenez tout ça, voilà, c'est cadeau, c'est offert par la maison en guise de souvenir, voilà. Prenez. Juste là. Magnifique. Ah d'accord, c'était lui qui me tirait dessus, ne se ressemble pas trop.
Je vais quand même buter là, balle anti-blindage, voilà le kill de fin. Et bien écoutez, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, j'espère que ça s'est ressenti. On va regarder mon score, mais je pense que j'ai vraiment cartonné au niveau des points comme au niveau des kills. Ouais, vraiment une très bonne partie. Voilà, un petit coucou à Carlas99, comme je le disais, qui a fait une belle partie, enfin une belle entrée en matière en quelque sorte, parce qu'il est rentré je crois en cours de partie. Voilà, bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé, n'hésitez pas à commenter et à la prochaine, ciao. Allez, on se retrouve sur Zenith, encore une fois, pour... Ah bah, pour le bug classique out of the map. Voilà, le truc, une fois sur deux sur Zenith, il y a le bug du out of the map. Bon bah écoutez, on va retourner au menu principal.